Goedendag. Boeddhisme. Ja, op Kleurnet hebben we heel vaak boeddhistische leraren te gast. Mensen die vertellen over het boeddhisme, over de fijne kantjes van allerlei leringen, de verschillen. En heel vaak zijn dat mensen die worden aangeduid als bijvoorbeeld als Rinpoche. Dat wil zeggen dat het een eerwaarde is. Iemand die een bepaalde status heeft. Vaak zijn het ook mensen die uit Tibet komen en een deel uitmaken van een lineage, die een reïncarnatie zijn van een vorige leraar, van een vorige heilige, zou je zelfs kunnen zeggen, in dat boeddhistische geloof. We praten vandaag met Dakpo Rinpoche. En dat woord Dakpo betekent dat hij uit een bepaalde buurt komt, een gebied in Tibet. En hij is eigenlijk een hele belangrijke drager van wat ze dan een lineage noemen. Hij is drager van een traditie. Een drager van, in dit geval, een traditie die teruggaat tot bijvoorbeeld mensen als Marpa en Milarepa. Hij is een reïncarnatie van, nou, een hele reeks. Ik moet zeggen, ik heb hier een folder gekregen en ik heb een hele reeks mensen van allerlei mensen. Maar hij is bijvoorbeeld ook, hij heeft zijn erkenning gekregen van de voorganger van deze Dalai Lama, de 13e Dalai Lama, dit is de 14e Dalai Lama. Daardoor is hij al op zijn zesjarige leeftijd in een klooster gekomen. Nou, we gaan praten met Dakpo Rinpoche en dat is een aardige man van 69 die over de hele wereld reist en leringen geeft. Hij is ook in Nederland en we zullen op het eind laten zien hoe u eventueel deel kunt nemen aan zijn dingen. En we gaan met hem praten. We gaan dat doen in het Frans. Gaat even mis met de techniek. We gaan dat doen in het Frans, want hij woont in Frankrijk, heeft daar heel veel gedaan en daar gaan we praten. Bon, en français, Rinpoche. Pour le premier, le mot Rinpoche, ça veut dire quoi que vous êtes? D'abord, je voudrais bien vous dire bonjour. Je suis très content d'être là pour pouvoir parler avec vous. Donc, Rinpoche, ça veut dire c'est un titre, si vous voulez. C'est un titre. Donc, on donne ce titre pour certaines personnes qui ont certains, disons, comme des maîtres, etc. Ok. Vous êtes reconnu comme Tuku? Oui, c'est-à-dire... Quand vous étiez 6 ans? Non, j'étais plus petit. Même lorsque j'avais, je crois, 1 an, j'étais reconnu comme réincarnation d'un grand lama qui s'appelle Dakpo Lama Rinpoche. Donc j'ai été reconnu par le 13e Dalai Lama. Le 13e. Et voilà. Maintenant nous avons le 14e. Voilà. Vous avez eu une éducation dans l'école la plus connue en Tibet. Oui, j'ai étudié dans différents monastères, particulièrement dans 2-3 monastères j'ai étudié. Donc j'ai essayé, étudié, voilà. Étudier, c'est le même comme en l'Ouest, où on a des professeurs comme ça, ou non? Ou c'est une transférence du savoir? Je crois que c'est très différent. Très différent, en même temps, il y a beaucoup de choses similaires, si vous voulez. Donc, par exemple, le professeur qui donne des enseignements, les étudiants qui reçoivent cet enseignement, ça c'est pas partout c'est pareil, c'est la même chose. Mais peut-être la relation entre les étudiants et professeurs, c'est très différent. Aussi pour nous, les professeurs de Dharma, si vous voulez, qui nous enseignent. Le Dharma, l'essence du l'enseignement, disons, l'enseignement du Bouddha. Oui. Dharma, c'est l'enseignement du Bouddha. Le professeur qui nous transmet l'enseignement du Bouddha, nous considérons donc pas seulement un professeur ordinaire, si vous voulez, parce que quelqu'un qui a lui-même étudié d'abord, ensuite qui a pratiqué, aussi qui a eu certaines réalisations, ensuite il nous a transmis pour notre bien. Donc la relation, c'est différent. Je sens que ce que tu veux dire, que vous voulez dire, ce n'est pas une éducation du intellectuel, c'est plus une éducation du cœur. Du cœur. Les deux, il y a l'éducation, une partie intellectuelle bien sûr, mais cette éducation ce n'est pas seulement pour savoir, plutôt pour appliquer,
pour, dans notre esprit pour améliorer, rendre la personne mieux, vous voyez, mieux, plus humain, plus généreux, plus patient, etc. Pour améliorer la personne. Pour les gens de l'Ouest, c'est un peu, étranger que les gens tibétains qui nous disent que la paix, paix extérieure, la paix extérieure, c'est le plus important, que le bouddhisme c'est une religion, c'est pas une religion mais c'est une religion du paix, que les Tibétains ont vécu en un pays qui était depuis centaines de années en guerre, en péril. Pourquoi les Tibétains qui ont une religion très pacifique? C'est vrai, nous avons donc le bouddhisme est venu de l'Inde au Tibet, l'enseignement du Bouddha, donc le bouddhisme c'est pour la paix, c'est vrai. Nous avons ici, nous les Tibétains pratiquons le bouddhisme, mais nous n'avons pas fait la guerre contre la Chine, nous n'avons pas fait. Simplement essayer de défendre le pays, peut-être, et la liberté personnelle, ou la liberté des Tibétains, si vous voulez. Donc, nous n'avons jamais fait la guerre contre la Chine. Mais quels sont le Bouddha quel était son idée dans le Dharma sur des choses comme violence, comme qu'est-ce qui se passe avec les gens chinois, la guerre éternelle dans la vie. Quelle était l'idée de Bouddha? Le Bouddha, il dit la violence, donc il ne faut pas répondre par la violence. Si on répond la violence par la réponse, on ne finira jamais, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes toujours. Donc, il faut essayer de réfléchir, discuter avec les gens et essayer de comprendre, se comprendre mieux l'un et l'autre et essayer de trouver une solution. L'idée du Bouddha, c'est ça. En réalité, établir la paix dans la pensée de tout le monde. Mais quand vous va essayer de comprendre les Chinois, donc oui, nous avons eu des histoires sur les situations, mais comment vous voulez penser, vous comment sentez-vous? C'est-à-dire, vous savez, ce sont les ennemis? Oui. Non, personnellement, c'est difficile de dire des ennemis, si vous voulez. Nous avons beaucoup de respect pour le peuple chinois. Mais ça sans douter, le Dalai Lama, depuis très longtemps, plusieurs années, il essaie, vous êtes au courant, n'est-ce pas? Oui. Il essaie d'avoir une discussion avec les Chinois, trouver une solution pacifique. Il a essayé toujours, jusqu'à maintenant. Mais évidemment, les Chinois ne répondent pas toujours. Vous voyez positivement. Mais, ça sans doute est Dalai Lama, il n'est pas découragé. Toujours, il va donc essayer de trouver une solution pacifique. Oui, mais pour le West, nous avons le Chine, qui est ancien et grand, et maintenant un peu communisme, post-communisme. Il y a deux influences. Il y a les gens tibétains, avec leur volonté de liberté, d'indépendance. Et à l'autre côté, nous avons les Américains qui vont une lutte économique, une lutte technologie, avec Internet, avec automobile, des choses. On a l'idée que les Américains font leur lutte avec plus de succès que les Tibétains. C'est tout à fait possible, tout à fait possible. Ça, je suis tout à fait... Donc, tout à fait possible, mais de toute façon, notre pensée, c'est trouver une solution pacifique et rester un bon voisin. La Chine, c'est le voisin du Tibet. Nous avons eu des relations depuis très très longtemps, depuis le 7e siècle, relations culturelles, etc. Nous voudrions bien
rester, maintenir une bonne relation avec eux et rester en paix. Oui, mais il y a une différence entre des voisins et des frères ou de la oui, famille. Oui. Et les Chinois, ils disent, le Tibet, c'est une part de China, de Chine. Nous sont, vous êtes famille mm-hmm. et les mêmes arrangements mm-hmm. comme en Chine on a dit pas plus d'un enfant pas famille des choses comme ça en actuellement on ça c'est pas très strict en Tibet on peut avoir mm-hmm. plus de ouais, mais mm-hmm. c'est des choses mais mm-hmm. mais les Chinois ont dit vous êtes des frères, vous êtes d'une famille chinoise. Je crois que ça touche vraiment la politique, n'est-ce pas? Je ne suis pas politicien. Je ne suis pas politicien, mais je ne parle pas chinois. Nous avons pensé, façon de penser c'est différent. La langue différente, les écritures différentes. Vous comprenez? Oui. Aussi deux pays distants, de traditions différentes. Oui, mais par exemple, le nom de Dalai Lama, c'est du nom chinois. Ce n'est pas chinois, c'est mongol plutôt. C'est mongol. Mongol, c'est différent. Mongol et la Chine, c'est différent. Vous avez eu des leçons d'une Rinpoche mongol. Oui. Buryat, il était Buryat. Oui. Dans l'idée du bouddhisme, oui. sa différence entre la famille, mm-hmm. vous êtes le frère mm-hmm. de l'autre, mm-hmm. ou nous sommes des voisins. Mm-hmm. Moi, personnellement, je dirais nous sommes voisins. Voilà. Personnellement, je dirais nous sommes voisins. Les Chinois sont notre voisin. La Chine est notre voisin. Aussi, l'Inde est aussi notre voisin. Le Népal est notre voisin. Vous voyez mm-hmm. Ok. Mais... dans la religion, oui. il y a une différence entre ces deux catégories. Non, dans la religion, on ne parle pas de ça. On ne parle pas. Quand on dit vraiment famille, c'est-à-dire la famille, vous voyez qu'il y a même relation familiale, etc. Oui. Lien familial. Mais sinon, on ne parle pas de ça. Mais dans le monastère, oui. dans l'Ouest, on dit nous sommes des frères. Quand oui, c'est une façon de parler. Oui, oui. Une façon de parler. C'est oui. le même. Ça, on peut, cette idée existe, l'idée existe, mais nous ne dirons pas c'est souvent, pas... souvent, nous ne dirons pas souvent. Souvent. Nous ne dirons pas nous sommes frères, nous sommes soeurs, etc. Comme le chef du monastère, voilà. il est la père. Oui, mais... justement, nous ne l'appelons pas le père. C'est, évidemment, c'est le père, c'est spirituel. Oui, mais on ne dira pas le père. Ça, c'est une différence. C'est différent, c'est différent. Nous dirons le maître, notre maître, c'est oui, tout. Oui. Peut-on dire que le monastère ou l'éducation tibétaine est plus d'une éducation comme à une université? Et ça dépend de deux monastères. Il y a, comme dans certains monastères, il y a les études philosophie. Ça, c'est comme l'université, si vous voulez. Cette partie-là, comme l'université, il y a d'autres monastères dans lesquels il n'y a pas les études philosophie, mais il y a d'autres pratiques de bouddhistes. Ça, c'est plutôt monastère où on fait beaucoup de méditation, on fait beaucoup de retraites, etc. Ça dépend. Vous avez des lignages, lignes très anciennes avec des grands... Oui, c'est vrai. Dans votre éducation, avez-vous étudié les lignes plus anciennes, mm-hmm. les lignes pré-bouddhisme, pré-hindouisme mm-hmm. Plutôt, notre tradition est venue de Bouddha. Mm-hmm. Vous voyez, de Bouddha. Donc, le Bouddha, il y a dans tous les enseignements bouddhistes tibétains, est venu de Bouddha. Mais quand on parle de ligne, c'est un petit peu différent, c'est pas tout à fait ça. C'est la même ligne au fond, au départ, mais lorsque l'enseignement est arrivé au Tibet, par un maître tibétain ou un maître indien, donc quelqu'un qui a enseigné cet enseignement, ensuite il a eu des disciples, c'est une sorte de tradition. Tradition. Mais les maîtres comme Milarepa oui. ont eu une éducation avant dans le bon pot ou les autres non, religions. Je ne pense pas. Milarepa, je crois, il n'a pas étudié la religion de bonne. Il n'a pas étudié.
Mais il était connu comme une sorcière, Sorcière, bon, c'est, il avait, c'est quelqu'un qui a certains pouvoirs. Je ne sais pas, on peut appeler sorcier ou sorcière, là c'est sorcier, ouais. Ou non, mais quelqu'un qui avait certains pouvoirs, d'esprit, n'est-ce pas, spirituel aussi. Mm-hmm. Mais cet pouvoir, il n'a pas fait sa pratique pour obtenir tel pouvoir, parce qu'il a obtenu ce pouvoir en pacifiant son esprit. Il a réussi finalement à contrôler. Vous dites les siddhis, les pouvoirs voilà, spéciaux. Voilà, c'est ça, oui. Son esprit, voilà. Logique avec l'éducation, avec le conscience. Le moment où quelqu'un qui a pacifié son esprit, d'accord, quelqu'un qui a contrôlé son esprit, il pourrait automatiquement avoir des pouvoirs, différents pouvoirs. Vous comprenez? Oui. Mais quand on pratique dans l'enseignement du Bouddha, on ne recherche pas ce pouvoir. Ce pouvoir, c'est bon, on acquis. Donc, en pacifiant son esprit. Quel est le rôle des techniques de méditation, des choses comme ça. Mais quel est le rôle des cérémonies, du rituel dans le bouddhisme? Oui, je crois que c'est le cérémonie est faite pour. Vous savez, en réalité, la pratique principale du bouddhisme, il y a deux points, si vous voulez. Et c'est-à-dire développer les qualités mentales qui sont en nous, mais peut-être qui sont restées en état latent, qui n'est pas développé, pour pouvoir développer cette partie-là. Et une deuxième partie, c'est éliminer des défauts. Tout ce que je parle de mental, hein. Par exemple la colère, etc., l'ignorance, etc., éliminer cette partie-là. Là, c'est la pratique principale du bouddhisme. Mais pour pouvoir pratiquer cette chose-là, appliquer cette chose, pour certaines personnes, on a besoin des cérémonies, vous voyez, un petit peu méthodes différentes, si vous voulez. Pour certaines personnes, on n'a pas besoin de ça. Ils peuvent faire seulement la méditation. Pour d'autres personnes, pour développer ces qualités, on a besoin des cérémonies, donc on fait la cérémonie. Mais lorsqu'on fait des cérémonies, toujours on dit des prières, si vous voulez, des textes, des mots. Mais les mots, c'est simplement comme support de la réflexion. Quand en disant une prière, il pense à la signification de mots, si vous voulez. Donc c'est la support de réflexion, donc on utilise des textes. C'est comme les murs d'un édifice, et ça, c'est dans l'édifice, c'est le méthode, le dharma, mais les rituels, les cérémonies sont c'est un moyen, un d'accord, moyen. Pour certaines personnes, on peut travailler mieux avec tel moyen, avec d'autres personnes, on n'a pas besoin, si vous voulez. Quand vous étiez très jeune, oui. Quand j'étais en Tibet, oui. J'ai vu des cérémonies avec bam bam bam, oui. Des choses comme ça. Oui. C'était intéressant pour des petits plus que oui, les leçons. Oui, c'est vrai, oui. Parce que quand on est jeune, on est attiré par ce genre de choses, si vous voulez. Oui. Moi, j'aimais bien ce genre de choses, mais on ne comprenait pas. Quand on est trop petit, si vous voulez, la signification profonde, si vous voulez. Petit à petit, un étudiant, en faisant des études, en réfléchissant nous-mêmes, petit à petit, on comprend mieux pourquoi on utilise ce genre de choses. Oui, voilà. Mais ça, c'est le même pour les gens tibétains, les pauvres qui viennent au monastère pour voir les cérémonies, qui ne peuvent pas lire entendre le dharma dans son complexité, l'externalité, c'est plus important, oui. Je crois que ça leur fait du bien. Vous voyez, évidemment, comme vous dites, certaines personnes, ils ne comprennent pas la signification, le mot qu'ils disent, les moines disent, n'est-ce pas, les prières. Mais par contre, quand ils entendent des sons de trompette ou de, je ne sais pas, de cymbales, des choses comme ça, ça leur touche, ça leur évoque
certaines choses, certaines qualités mentales, par exemple comme la foi, la confiance, etc. Sûrement. Peut-on dire que ça ouvre le cœur un peu pour beaucoup de personnes, oui. Je ne pense pas pour tout le monde. Certaines personnes n'aiment pas ça. Vous voyez, ils n'aiment pas, ça leur dérange, parce que quand ils entendent beaucoup de bruit, ça leur dérange. Mm-hmm. Mais pour beaucoup de personnes, ça, oui, ça leur touche sûrement. Oui. Oui. Pour vous aussi? Moi, quand j'étais petit, oui, mais ça, c'est pour s'amuser, vous savez, c'est pas vraiment pour pratiquer. c'est pas, mais même maintenant, nous avons à Amsterdam, quelques temps, des groupes tibétains de musiciens, et j'aime ça. C'est bien, je crois. C'est intéressant, c'est très bien. Il y a certains sons sont agréables ou étonnants de temps en temps, n'est-ce pas? Le son de grand trompette, c'est très étonnant. Ah, pour le dharma, vous avez étudié beaucoup en Tibet et en India, mais en France, vous avez... Vous êtes le maître, oui. Avec quel du grand nombre des choses dans le dharma sont le plus pratiques, le plus important pour le West aujourd'hui? Je ne suis pas vraiment, vous savez, j'essaie de donner des enseignements, si vous voulez. Oui. Mais je ne peux pas dire que je suis vraiment un maître, si vous voulez. Comme vous voulez, ça c'est... C'est d'amour, si vous voulez, d'amour, oui. C'est d'amour. Mais essentiel dans le bouddhisme, quelque chose qui est, je crois, presque, on peut dire, pour tout le monde, c'est-à-dire, il y a une méthode, c'est-à-dire améliorer son esprit, si vous voulez. Comprendre, développer la compréhension. Une compréhension. Par exemple, quelqu'un qui a un problème. Pourquoi il a... Donc, à la place de se fâcher ou se décourager, si je crois, première chose, c'est il faut réfléchir pourquoi c'est arrivé ça. On analyse la situation, donc il faut comprendre mieux. Une fois on a mieux compris la situation, ensuite il faut se poser des questions. Est-ce qu'il y a une solution pour ce problème, pour surmonter ce problème ou non? D'accord? Mais il y a des problèmes, parce que la lutte de la vie, le corps, des choses matérielles sont là. Le bouddhisme donne quelque chose d'autre que acceptance, que accepter que c'est... Oui, justement, j'ai voulu vous dire ça. Parce que c'est vrai, il y a une partie matérielle, n'est-ce pas, le corps, etc., c'est vrai. Mais pour le bouddhiste, le plus important, c'est mieux contrôler, mieux développer son esprit. Le moment où on a une vision juste, disons, plus juste, à ce moment-là, même il y a des problèmes physiques, matériels, on peut dominer mieux. Je crois que ça, c'est très important, si vous voulez. Donc, je crois que c'est très la chose plus importante, c'est comprendre mieux soi-même et les autres, comprendre leurs problèmes. Si on peut aider, à essayer, s'il y a possibilité, soi-même, si on a la possibilité d'aider, donc apporter une aide à cette personne. S'il n'y a pas, si on n'a pas cette capacité, pour le moment, on ne peut pas faire grande chose. Oui, mais... Pour moi, le bouddhisme, c'est une religion, c'est une idée pacifiste de l'intérieur. Mais le monde, oui. Quelquefois, on doit faire quelque chose. Oui, bien sûr. Être le révolutionnaire. Oui, oui. Oui, comme ça. Et ça, avec le bouddhisme, c'est le sentiment des années 70, 60. The Summer of Love, ça, c'était une idée de révolution, évolution, de faire quelque chose dans le monde, active. Et à l'autre côté, ça, c'est le bouddhisme. Oui. Et les gens comme Ginsberg, qui ont des grands poètes, mais des grands révolutionnaires à le même temps. Et même les gens comme Allen Ginsberg étaient bouddhistes. C'est pour moi
paradoxe. Le monde, la lutte contre l'injustice, contre la situation, même contre les Chinois, qu'est-ce quoi? Absolument, on peut. Mais ce n'est pas avec la violence, je crois. Il faut faire, si vous voulez, contre l'injustice, d'accord? Contre la souffrance, il faut faire quelque chose. C'est d'accord, je suis tout à fait d'accord. Tous les bouddhistes seront d'accord là-dessus. Mais pas avec la violence. Vous comprenez? Donc, avec... Mais la violence du média, hein? La violence que... Maintenant, quand on dit Tibet, on dit le Dalai Lama. Parce qu'il est dans les livres, dans les magasins, aux télévisions, tous les temps. C'est une lutte du média aussi. Oui, oui, mais ce n'est pas violence. Dans le lutte que de sa sainteté, Dalai Lama il est en train de faire, il n'y a pas de violence. Il y a la lutte, il demande, il explique, il essaye de comprendre les autres, si vous voulez. Lui-même, il essaye de proposer une solution. Mais il ne fait jamais avec la violence. Ça, c'est, on sait, parce que la violence n'amènera pas à la paix, finalement. En Hollande, on dit l'épée. The sword is mighty than the sword, the pen. Pour moi, ça, c'est aussi une lutte. Oui, mais c'est une façon de penser. Je respecte tout ça. Vous voyez, c'est une façon de penser. Chaque personne a sa façon de penser ou c'est sa façon d'exprimer. On peut dire que c'est un stylo pour écrire. On peut dire que c'est une épée. Yeah. Donc ça, c'est une façon de parler, si vous voulez. Mm-hmm. En réalité, essentiel, c'est qu'il ne faut pas, je crois, avoir une pensée négative vis-à-vis les autres, même si on lutte contre certaines choses, avec pensée juste, avec bon cœur, avec l'amour, il faut expliquer, lutter, je crois. Avec l'amour, oui. Oui, oui. C'est vrai. Rinpoche, un mot. Vechten, geweld is niet van belang, maar de liefde die erachter steekt is belang. En dan kun je erover reden twisten of het nou gaat om het wapen, of je met wapens moet vechten, of dat de pen en de televisie ook, dat maakt niet veel uit. In ieder geval, Dakpo Rinpoche is een van die leraren die regelmatig naar Nederland komt. En we geven een telefoonnummer over wat hij hier doet. Hij is ieder jaar hier en u kunt naar hem luisteren. En er is een organisatie en die heet Kadam Schöling. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Maar in ieder geval een Tibetaanse leraar van een hele oude lineage, van een hele oude traditie. Met heel veel kennis en we zouden u kunnen vermoeien. En voor mij is dat in het Frans helemaal niet zo makkelijk om dat duidelijk te maken. Wat al die fijne verschillen zijn over karma hier en karma daar. En hoe de dharma precies in elkaar zit. Wat ik leuk vond is met hem te praten over gewoon wie hij is. En hoe hij bijvoorbeeld als jongetje die boeddhistische rituelen en die drums en die trompetten heeft beleefd. Want dat vond ik de leuke dingen die ik daar kwam. Natuurlijk als toerist een beetje naar de buitenkant kijken. Want dat doen we naar het boeddhisme. Maar dan toch begrijpen dat wat hij zegt, wat erachter zit. Het is eigenlijk de taal van het hart waar het om gaat. Je moet het doen met je hart, met je ziel, met de liefde. En dat is een belangrijke boodschap. Dakpo Rinpoche. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.